Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale vu qu'on va parler extensions. Donc j'ai décidé de faire des extensions, ça faisait très longtemps que je voulais les faire. Mais je trouvais que c'était un petit peu cher vu que quand j'avais estimé ce que moi je voulais, donc je voulais des cheveux hyper longs, dans un salon c'était environ 600 €, donc entre 500 et 600 €. Et je trouvais que c'était extrêmement cher pour ce que c'était. Donc aujourd'hui j'ai trouvé le parfait compromis. Ce que j'ai fait c'est que je suis allée acheter des mèches, donc des mèches de tissage qui sont de très bonne qualité, donc c'est du vrai cheveu humain. Et j'ai trouvé une coiffeuse qui pouvait me confectionner elle-même les extensions et me les faire au fil. Donc je sais pas si vous connaissez la nouvelle méthode d'extension au fil, je vais vous mettre une image juste ici. C'est une nouvelle méthode qui est très discrète et qui va permettre de fixer l'extension donc aux cheveux en toute discrétion et qui va durer pareil entre 4 et 6 mois. Donc j'ai trouvé que c'était la très bonne méthode qui me plaît. Donc je suis allée commander, comme je vous ai dit, les extensions chez un fournisseur donc qui me les a fournis. Chez ce fournisseur en fait il vend des mèches vraiment pas chères du tout et de très bonne qualité. Et du coup la coiffeuse qui va me les faire, je vais vous la montrer. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tout en détail, donc la pose, ce qu'il faut, ce qu'il faut pas, le prix, si j'ai un bon plan pour vous, je vais vous partager. Et franchement j'ai super hâte. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc voilà, le fournisseur il m'a fourni 3 boules comme ça. Donc c'est des boules de cheveux hyper longs. Donc j'ai pris le 24 pouces, je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais c'est super long et c'est du cheveu 100% naturel comme vous pouvez le voir. Donc voilà, une boule comme ça vous la payez entre 50 et 60 €. Et pour faire toute la tête et avoir beaucoup de volume, je vous conseille de prendre 3 boules comme moi. Sinon si vous voulez juste de la longueur et sans trop de volume, et bah vous prenez 2 boules, c'est largement suffisant. Donc la personne qui m'a fourni ces mèches, elle s'appelle Raissa. Je vais vous mettre ses coordonnées sur l'écran. Vous pourrez directement aller la contacter et à vous procurer ces boules. Franchement c'est les moins chers du marché vu que j'ai contacté pas mal de fournisseurs avant elle et le rapport qualité prix il est juste exceptionnel. Comme je vous ai dit, la pose elle va durer beaucoup plus longtemps vu qu'elle va confectionner elle-même les extensions. En fait ce qu'elle va faire c'est qu'elle va prendre un bout du tissage, le découper et en faire une extension au fil. De toute façon tout sera filmé en détail, je vais vous mettre un timelapse comme ça vous pouvez voir la vidéo en accéléré. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Moi, j'ai tellement hâte de les faire. Franchement, si ça marche là cette fois, je vais en faire tout le temps. Je kiffe. Vous m'avez aussi demandé sur Instagram si ça abîme les cheveux. Bon, apparemment, les extensions en général, ça abîme les cheveux. Mais bon, ceux-là, ils sont au fil, donc ça abîme déjà moins les cheveux que les autres. Donc, à la kératine chaude ou froide. Là, c'est juste, on va vous les fixer avec un fil. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout le temps soigner vos cheveux, tout le temps mettre des soins, tout ça pour garder vos cheveux sains. Voilà, moi, si je vois que voilà, ça me fait mal ou autre, bah, je les enlèverai. Mais si je vois que je kiffe, bah, je vais garder. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, juste ici, vu que là-bas tout se passe en avance. Je suis très réactive sur ce réseau, je réponds à vos messages, je partage tout, mes journées, tout ça. Donc c'est un réseau où je suis très active, donc je pourrais répondre à vos messages, à vos questions, plein de trucs. Donc n'hésitez pas à m'ajouter dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc je vais vous emmener avec moi toute la journée, ce sera sous forme de vlog. Et donc bah sans plus tarder je vais y aller. Donc voilà, là je me suis habillée, je suis dehors, il fait trop beau aujourd'hui, c'est trop bien. Il y a ma petite soeur avec moi, salut, ça va? Donc voilà, je vais vous emmener avec moi, ça va être trop bien, j'ai hâte. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien.
Donc je vous ai pas montré la fin, il s'est passé trop de choses entre temps. En fait j'avais fini ma pause d'extension et j'étais partie de faire mes extensions de cils, donc c'est pour ça que là j'ai des cils et que avant non. Et du coup j'ai dormi une nuit avec les extensions, mais j'ai pas pu supporter, c'était trop serré donc au niveau de ma tête. Donc je les ai enlevées ce matin, j'ai même pas pu vous montrer tellement ça me faisait mal, j'ai direct tout retiré. Donc je pense que je vais laisser mes cheveux naturels comme ça, c'est beaucoup mieux. Et puis rien n'est sert de les abîmer quoi, donc je préférais vraiment les laisser comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Je vous ai au moins montré un petit peu comment ça se passait, tout ça. Mais voilà, je pense que les extensions, c'est pas pour moi. Je suis très très bien comme ça. En plus, je prends soin de mes cheveux et tout. Donc je trouvais ça dommage de les abîmer comme ça. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram juste ici. Donc voilà. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.